Alors du coup, où est-ce qu'on se situe? C'est pas évident là de se situer quand même, info. Je suis un peu perdu dans cette énorme forteresse. Je vais essayer de prendre de l'altitude. Cette fois-ci, je vais le défoncer, l'oiseau. Maintenant, j'ai Excalibur et tout. Oh. Tu te rappelles de moi, toi, là? Fais-moi le malin maintenant que j'ai une épée, hein. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille déjà? Je pense qu'il faut que j'aille par là. Ah mais bien sûr. Ah là là, j'ai pas encore les mécaniques du jeu en tête, hein, c'est pas possible. Tout à l'heure, on était au bon endroit en fait, simplement. Je me suis dit, ah, je peux pas passer parce qu'il n'y a pas de torche. J'ai pas besoin de torche, j'ai une feuille qui me permet de voler. Mais par contre, là-haut, il va falloir que je me débarrasse de l'autre. Alors, je sais pas si c'est celui-ci. Non, je crois pas, hein. C'est pas grave, il me donnera un pendentif du bonheur. Oh, réveille-toi! Voilà, ici, il me suffit d'utiliser ma feuille. J'y pense jamais à cette feuille, hein. Ah, salut Apocalypse, comment tu vas? Oh, là-haut, il y a une statue. C'est mauvais signe. Ne m'attaque pas. Je peux pas passer là non plus. Oh. Oh mon dieu, elle est vivante. Bon allez, ici on fait un carnage. Perds pas de temps. J'ai envie de défoncer l'oiseau là. La dernière fois il m'a manqué de respect. Oh non, il y a des tananana. Dégagez! Ils attaquent trop vite en plus. Moi je veux bien un cœur, mais c'est tout ce que je veux. Tu joues aussi sur le serveur GTRP. De quoi tu parles exactement, Apocalypse? Je vois pas de quoi tu parles là. Ils nous poursuivent. Arrête de me poursuivre! Laissez-moi vivre! Je ne signe pas d'autographe! Allez-vous-en! Attends! Ah, tu parles du serveur? Non, j'ai pas GTA 5 moi! Si j'avais GTA 5, peut-être, mais vu que je l'ai pas, je peux pas. Je crois que c'est pour ça qu'ils reviennent, hein. Je leur ai dit pas d'autographe, tac, ils reviennent, ils essaient les photos. Si je dis non, ils vont me demander autre chose. Alors, la prochaine fois, je leur dirai, qu'on soit clair, je ne fais pas d'autographe, je ne pose pas en photo et je ne pose pas nu non plus. Je ne fais rien de tout ça. Donc, retournez, piquez vos fourches ailleurs. Une postérieure n'a pas besoin de ça.
Alors ici. Non, il n'y avait pas l'autre. Je pensais que l'adversaire qu'on avait battu ici allait revenir. Ça aurait fait une revanche pour lui, etc. Oh mon Dieu! Ils ont pas compris la leçon. Je me cache ici. Vous ne m'aurez pas. Je crois qu'il est en train de flipper. Oh, grand frère. Tu vas bien? Comme je suis contente. Mais t'es sérieux, mon gars? Cette porte ne s'ouvre pas. Oh, Tetra. Tu es vraiment incorrigible. Si nous n'avions pas attiré l'attention de cet oiseau énorme, tu aurais encore fini dans les airs comme la dernière fois. Mais cette épée, où l'as-tu trouvée? Tu n'es pas... Pas possible. Quoi qu'il en soit, nous allons emmener ces jeunes filles avec nous. Leurs pères en ville nous donneront une belle récompense. Excusez-moi d'abréger une scène aussi émouvante, mais... Je crois que tu as encore quelque chose à faire, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ta sœur, je la ramènerai en pleine santé sur votre île. Habituellement, je demande une rançon pour ce genre de service, mais pour toi, ce sera gratuit. Ton grand frère a encore quelque chose à faire, mais il reviendra bientôt, tu vas l'attendre patiemment, d'accord? Oh, grand frère. Tetra, nous devons faire vite, cet énorme oiseau va revenir. Gonzo, tu arrives au bon moment. Emmène celle-ci aussi. Hein? Mais elle n'était pas... Tais-toi et obéis, vu? Grand frère! Neroxys, dépêche-toi de faire ce que tu as à faire et de rentrer, d'accord? On va défoncer Ganondorf. Et avant, je l'éclate, l'oiseau. La dernière fois, il a osé manquer de respect, je vais le défoncer. Par contre, il y a tous les goélands qui sont restés ici, je sais pas trop ce qu'il y a. De toute façon, je peux plus sortir, donc... Vas-y, tu fais bien de venir. Ah, j'ai des comptes à régler avec toi. Avec ton masque là, ton masque à la noix. Je vais te prendre toutes tes plumes d'or. Je serai riche. Voilà, là, je peux pas l'attaquer. Je pense que c'est une session de course-poursuite. Finalement, je ne l'attaquerai pas. Sois gentil. En fait, faut juste courir. Oh non, tous les pendentifs du bonheur que je perds. Saloperie d'oiseau. Putain, t'as failli m'empêcher de passer, toi. Oh là là, mais le timing est super serré. En plus, je suis sûr qu'on peut tomber. Parce que je vois des trucs pour le grappin-griffe un peu partout. Qu'est-ce que t'as à toi? Vas-y, dégage! Tu vas me laisser monter ou quoi? On a vu un méchant essayer de s'attacher au barreau. Enfin, au dalle, pas au barreau, mais...
Oh, si les portes se referment, l'oiseau il est mort là. Ah bah oui, c'est trop facile. Quoi, t'es énervé? Ça tombe bien, moi aussi je suis énervé contre toi. Vas-y, on va se fighter. Alors, vu que c'est un oiseau, je pense que ça peut être pratique. Après, avec son masque, ça peut être intéressant. Donc, je peux pas l'attaquer. Ça non plus. Ok. Alors, il faut servir d'appât. Il plante son bec. On lui éclate le crâne avec une masse. Très bien, très bien, très bien. Ça devrait pas être trop compliqué à faire. À moins qu'il ait des attaques secrètes que j'ai encore pas vues. Ah, c'est dommage que je puisse pas mettre deux coups. Il est en train de fissurer son masque. Ok, donc il a bien des attaques secrètes. En plus, il casse les rochers et je pense qu'il peut m'y attirer. J'espère que je vais pas tomber. En plus, il y a des pics partout. Je vais me finir empalé. Allez, viens, de toute façon, tu vas mourir. Abandonne. Range-toi du côté positif de la force. Allez, viens, arrête de faire la chuchote, là. Voilà, allez, pique. Bon, allez, pique. Non, mais pique, arrête un peu. Arrête avec tes attaques bizarres, là. Je sais pas où t'es. Coucou, crime. Alors là, attention, attaque en rafale, non? Tu vas planter ton bec ou pas cette fois-ci? Et bim! Allez! Allez, viens, c'est un homme! Enfin, c'est un oiseau! Qu'est-ce que t'as? Le mec, il a oublié comment voler. Et non. Ho ho. En plein dans le mur. Eh hey, mais t'as encore pas compris la leçon toi ou quoi? Ouais, s'il veut pas être du côté positif de la force, moi je vais y obliger. Hein. Donc là, il va me pousser. À moins que. Non. Allez. Oh, il est beau. Il est magnifique. Allez, allez, on va faire du KFC. Reviens. Oh là là, t'es parti où? Je sais pas où t'es. Tu peux pas utiliser ton masque? Allez. Allez, une flèche dans tes fesses. Tu ne mourras pas. Et je le regarde même pas. Tu ne mourras pas. Allez, bim, une flèche dans l'œil. Meurs. Ouais, mais lui, c'est un gros poulet. Bah, c'est beau, par contre, hein.